Mon frère. Proco. En polo blanc là. Prophétise en Dieu. Viens d'abord vite. Tu as combien d'enfants? J'ai deux enfants. Combien? Deux enfants. Deux enfants. Oui. Quand je te vois sortir là-bas, tu sors avec. Je vois une détermination en toi. Prophétise homme de Dieu. Fais comme tu faisais là-bas. Je sors. Je sors. Encore. Je sors. Encore. Je sors. Dis Kandala, je sors. Je sors. Dis Kandala, je sors. Kandala, sors. Kandala. Kandala, sors. Kandala, je sors. Kandala, je sors. Viens, viens, viens. Tu connais Kandala? Je le connais. Oui, je le connais. C'est qui? C'est mon oncle. C'est ton oncle. Mais il n'est plus. Oui. Il n'est plus. Oui, oui. Il est déjà décédé. À chaque fois. Qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'il était décédé? Oui, prophète, il est ça à lorsqu'il était mort. J'ai senti l'amertume. Je suis entré dans la maison et j'ai pris mes habits. Est-ce je me suis dit comme il est mort, prophétise en Dieu. Habits à moi. Wow. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise en Dieu. Parce que je vois quand le frère dit je sors. Je vois une corde, c'est qui Kandala qui le retire. Dieu dit ceci. Il y a un esprit de mort. De Kandala, c'est-à-dire. Cet homme, il est décédé. On l'a mis même. Il avait même les habits qu'on avait déjà apprêtés pour l'enterrer avec. Alors le frère s'est permis de les déshabiller de ses habits là et de lui habiller ses propres habits pour enterrer. Et Dieu dit, depuis ce temps-là, la malédiction, les problèmes, les échecs, tu as fait beaucoup d'argent, frère. Oui, oui. Tu étais un patron, toi, oui, oui. Avec des puits de cuivre. Les gens ne jouaient pas avec toi. Depuis cet acte-là, tu as tout perdu. Tu n'as plus rien. Quelqu'un est debout. Yeah.